Alors, on se retrouve au Square du Souvenir à Montbéliard. Alors, on est dans un stand un peu particulier. En quoi consiste votre jeu exactement ? Alors, en fait, ce jeu, c'est un jeu de piste qui se passe dans la ville de Montbéliard. L'idée, c'est de résoudre une enquête policière, voilà, parce qu'un vol a été commis au sein de la ville. Alors, ce vol, c'est que tous les rushs, tous les enregistrements des équipes du FF1J ont été volés, honteusement, par on ne sait pas quel malandrin. Et l'idée, ça va être de retrouver tous ces rushs, déjà de retrouver les enregistrements parce que ce serait quand même bien de pouvoir continuer le festival et que les équipes puissent continuer à filmer, et aussi de savoir qui a commis ça. Donc essayer de trouver la personne responsable de ça et de savoir quel est son mobile, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc pour ça, les joueurs doivent retrouver des affiches comme celle-ci. Et l'idée, ça va être de scanner les QR codes qui sont sur ces affiches et de pouvoir ensuite trouver des indices pour pouvoir avancer dans le jeu et savoir voilà quel est le mobile du crime, du meurtre, voilà, de cet odieux larcin. Parce que vous avez eu beaucoup de participants pour l'instant? Si, on a eu beaucoup de chiens qui sont passés devant, voilà. Mais malheureusement, ils ne savaient pas vraiment lire, donc on n'a pas pu vraiment leur permettre de jouer au jeu. Mais sinon, là, cet après-midi, on a pas mal de personnes qui sont venues, bah, déjà juste des personnes qui sont venues passer pour nous demander ce que c'était. Donc on leur a parlé voilà, de l'événement, de ce qu'il y avait demain, de la cérémonie de clôture. Et sinon, on a eu des groupes qui sont passés aussi pour pouvoir bah, voilà, jouer. Donc on a eu un groupe qui est parti il n'y a pas très longtemps, il y a aussi un groupe qui va bientôt pouvoir jouer juste après. Donc c'est un événement comme ça qui se fait le vendredi, puis du coup demain on espère qu'il y aura peut-être un peu plus de monde vu que ce sera le week-end. Donc voilà pour le résumé. Bah, je vous remercie pour cette interview et d'avoir consacré un peu de temps dans votre journée. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et j'espère que vous allez jouer au jeu de piste et que vous allez tout poutrer pour pouvoir gagner les fameux lots, les fameux goodies hein, voilà, que vous n'avez pas et savoir ce que c'est. Merci.